Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 3 de la carrière suivie avec Milan et le Milano. Et là, c'est le gros derby, c'est le derby, le gros match contre l'Inter Milan. Voilà, ça sera à San Siro. De toute façon, les deux équipes sont dans le même stade, donc voilà, c'est comme ça. On aura aussi d'autres matchs, on va essayer, je vais essayer de finir le mois de septembre. Essayer de vous proposer 4 matchs dans cet épisode, ou peut-être 3, enfin bon, on verra bien. Mais je pense vous en proposer 4. Et avec ce premier choc, n'hésitez pas à voir le précédent épisode si vous voulez voir ce qui s'est passé, si vous n'avez pas vu. Et puis sinon, nous on est parti. N'hésitez pas aussi à continuer de me soutenir en lâchant un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et voilà, je vous en remercie. Et vous inquiétez pas, je lirai des fois quand je lis pas les commentaires tout de suite. Vous inquiétez pas, c'est que je suis pas dispo, donc je les lirai bien sûr. Et puis j'y répondrai. Donc voilà, on est parti pour le match contre l'Inter. On va garder notre équipe, ouais, type comme ça, je pense. Parce que le petit Eli, il me fait quand même des bons matchs en défense. Alors que si on regarde avec Mexès, ouais, le problème c'est qu'il est pas très rapide Mexès. Et puis il se fait un petit peu vieux, là, 33 ans. Sinon on avait Zapata, mais je crois que lui c'est le même problème. Alex, on n'en parle même pas. Bon, après, Alex, il est très solide, mais par contre, ouais, il est encore moins rapide. Donc voilà. Il y aurait peut-être le petit Antonelli, mais bon, le petit Eli me fait quand même des bons matchs en défense avec le. On ne le présente plus, Romagnoli. Lui, c'est quand même incroyable. Et puis, Deschilio, il est intéressant quand même. Bref, on est parti pour cette rencontre. Let's go. La partita del calcio. Il derby. Eh oui, le grand derby. C'est l'Inter contre le Milan. Avec i tifosi. Tifosi di l'Inter. Di Milano. Ma non Milano. Nessuno tifoso da Milano. Voilà. Il y a juste, ouais, juste le tifo de l'Inter. Bon, après, on est chez l'Inter. Mais bon, c'est le même stade. Ils auraient pu inviter tout le monde, quoi. Mais bon, attention. Derby électrique. Et même l'arbitre, hein, il s'appelle San Milano. Voilà. Tout est réuni à Milan. Tout est Milan. Maintenant, faut savoir qui va gagner dans cette rencontre. C'est parti. Let's go pour les meilleurs moments. Attention, le bon ballon vers Perisic, il va falloir. Oh là là, non, c'est pas bien défendu là, on s'est totalement livré! Et l'ouverture du score, et ouais, ça pardonne pas. Hein. On n'est pas encore bien préparé en défense. Je sais pas ce qu'il a foutu mon défenseur, après il était totalement lent et c'était irrattrapable là. Regardez, c'est là, voilà, c'est le numéro 15. Bah. Non, c'est pas Romagnoli. C'est pas Romagnoli, celui que je donne du bien tout le temps. Enfin bon, bref. Il s'est totalement craqué et après derrière, impossible de rattraper l'Inter. Donc il va falloir tout de suite réagir. Là, on est direct cueilli à froid. Mais bon, on a su le faire dans l'épisode dernier, souvenez-vous. Donc voilà, c'est juste que ça risque d'être un épisode quand même de fou, je pense. Enfin, un derby de fou là pour commencer. Parce que s'il y a déjà un but maintenant. Super abatté, oh là 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 là, abatté énorme. Oui, bon ballon. Allez! Allez, tu finis! Oh, l'arrêt! Oh, quel arrêt exceptionnel d'Andanovic! Ah, je pensais qu'il allait finir là. Super ça. Oui, bon ballon. Allez, tu finis! Non, le poteau! Allez, 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 allez! On n'est pas loin là. Super Ménès. Petite passe. Allez. On décale. Romagnoli. Romagnoli! Oh, le poteau à nouveau! Allez! Oh là 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 là! Quel bon ballon donné! Et là, il va centrer. Et ouais, il va centrer, il est tout seul! Oh, le retour de Donnarumma! Oh là là, quel retour défensif! Et puis, il y avait Abate derrière qui traînait là au cas où. Et Abate, il me fait un match. Allez, allez, on reste on se met en ultra-off même. Pour peut-être une contre-attaque. Allez, allez, une contre-attaque là. On veut une contre-attaque. Allez, Niang. Allez, Niang, c'est parti. C'est parti la contre-attaque. De l'autre côté.
Allez! Ah oui. Ah non, il l'avait récupéré. Et j'ai l'impression, mes joueurs, ils sont lents là. Et voilà, comme par hasard, eux, ils se rentrent dedans, mais ça passe pour eux, quoi. Et ils ont, je sais pas, le jeu est un peu lent, je trouve. Mais bon, pour l'instant, ils méritent, hein, parce qu'on n'a pas été super bon. Après, il y a quand même quelque chose qui me gêne. C'est la compo, parce que, enfin, c'est le dispositif, parce que là, c'est quand même bizarre que j'y arrive pas. Donc, on va faire ça comme ça. On va le mettre AT. Voilà. Et puis, on va partir comme ça. On va partir comme ça parce que là, à deux pointes, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de projection vers l'avant. Et quand même, là, on se doit de réagir. Je galère depuis plusieurs matchs, donc je vais essayer de passer dans un 4-4-2. Donc là, voilà, vous avez vu la modification en espérant que ça porte ses fruits pour la seconde période. Allez, 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 allez. Peut-être déjà une première occasion. Avec le décalage, pour Mbanyang. Ah non, 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 non. Je me suis un peu précipité là. Allez, allez, c'est pas fini. Voilà, ça c'est bien fait. Allez, direct, direct, il y a des occasions. Aïe, 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 dommage, elle est un peu forte. Mais voilà. Je pense que là, on trouve beaucoup plus nos joueurs. Donc, je pense qu'on aura beaucoup plus d'occasions dans cette seconde période. Et c'est peut-être de bon augure. Allez, Ménès. Voilà, ça c'est bien fait. Le bon décalage pour Niang. Allez, Niang. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça c'est bien fait. Allez, bon décalage. Allez, faut finir là ce coup-ci, Baka. Oh non, oui. Oh là 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 là. Je pensais que ça allait retoucher le poteau encore une fois. Non, pas un troisième poteau quand même. Voilà, on égalise. Ça fait plaisir, mais c'est laborieux, hein. C'est vraiment laborieux. Là, enfin, on a trouvé un décalage. Mais j'ai vraiment du mal à trouver des décalages. Et encore là, le gardien, il la touche. Franchement, ce match, il est très tendu. Il est vraiment très difficile. On va se mettre en offensif. On va pas non plus mettre trop parce que on pourrait peut-être se prendre un contre. Donc voilà. En tout cas, on a égalisé. Ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir chercher le deuxième but. Allez, allez, allez. Pour aller chercher la victoire dans les ultimes secondes. Voilà, c'est vraiment la dernière. Il n'y a qu'une minute de temps additionnel. C'est vraiment la dernière. Je sais même pas s'il va la laisser. Si, il va la laisser. Allez. Allez, Baka. Non, pourquoi il a tiré sur le gardien? Mais pourquoi il a tiré sur le gardien? Ah, c'est franchement Baka. Il méritait de pas rester là dans le match. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas sorti. J'ai pas fait de changement. J'aurais dû faire des changements. Là, on fait un partout. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que autant la première période on a eu du mal, autant la seconde c'était à sens unique, c'était que de notre côté. Abate qui a fait un gros match, vraiment. Très très fort Abate, il m'a fait plein de récupérations, mais les autres, oh là là, les autres ils ont été nuls, hein. Ils ont été vraiment lents et d'une lenteur aussi. Je vais tester un match en vitesse normale parce que peut-être qu'en Italie la vitesse est plus lente. Mais attends, attends, attends. Dans les paramètres. Merde, c'est pas ça. Voilà. On va se mettre en normal pour essayer. Parce que là, j'ai trouvé que le match était vachement lent. Donc j'espère que ça sera peut-être mieux en normal. Et puis après, je verrai. Hein, peut-être que je laisserai en normal. Donc, match contre Palerme à domicile. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu quand même. Par contre, même Poli m'a fait un match moyen, vraiment. Donc on va essayer de faire rentrer Boateng à la place. Il y avait Bertolacci peut-être. Voilà. Hop. Maintenant je te mets à la réserve. Ça va te faire du bien. Mastali aussi, il était intéressant l'autre fois. Donc on va le mettre sur le banc. Et puis je vais titulariser Balotelli. Comment on peut faire? Sinon je mets Niang buteur et je mets... Et je mets Bonaventura. comment je peux faire? Non, sinon je laisse Niang comme ça et je mets Balotelli. Voilà. Je le mets sur le banc, Baka, parce qu'il m'a pas fait un bon match. Il est moyen en ce moment, Baka. Bon, même s'il m'a marqué un but quand même. Il m'a marqué un but, mais bon, je vais le mettre sur le banc. Du coup, Hellas Verona qui a gagné tous ses matchs pour l'instant et qui passe leader. Nous, on est troisième à égalité avec la Juve. Naples qui revient, l'Inter qui était pas loin non plus. Hein, donc voilà.
Mais bon, on n'a pas perdu un match pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup d'équipes invaincues. Hein. Ah, quoi que si, la Lazio et Bologne qui ont 3 matchs nuls, qui n'ont pas perdu. Il y a l'Inter. Ouais, l'Inter était invaincu. Milan, Juve et puis Hellas Verona, quand même surprenant. Cette équipe d'Hellas Verona, on verra jusqu'à où ils peuvent rester leaders. En tout cas, nous, on a un match contre Palerme où il faut impérativement gagner après notre match nul. C'est parti. Donc voilà, deuxième match de l'épisode avec enfin les tifosi de Milan. Voilà, on est à domicile, mais là le vrai domicile ce coup-ci. Donc voilà, en tout cas on est parti, let's go pour les meilleurs moments. Là j'ai mis la vitesse un peu plus rapide, donc on va bien voir ce que ça donne. Je suis toujours en légende, mais j'ai mis la vitesse de jeu plus rapide. Vous savez, vous avez des paramètres lent, normal et rapide. Et ben je l'ai mis en normal, alors que d'habitude je la mets en lent. Donc on va voir si ça change. Et puis si j'aime bien comment ça se passe, et ben du coup je laisserai comme ça. Ouh, déjà une première frappe. Allez. Faut tout de suite se montrer dangereux là. Attention, c'est parti. Non, pas dans l'axe. Oh là là, grosse occasion pour Palerme. Ah ouais, là j'ai mal dégagé. Ça a été contré, heureusement, parce que sinon ça pouvait faire un sacré tir. Attention, ouais, c'est dans le petit filet extérieur. J'ai cru que c'était au fond. Mais ouais, attention, hein, cette équipe de Palerme. Parce que du coup, c'est vrai que les équipes sont beaucoup plus vives. Là, il va falloir être plus réactif quand même. Allez. Ah oui, un bon ballon. Ah, mais il est un peu fort. Vous savez que je suis en rond manuel. Super ça. Allez, allez. Ouais, bon ballon. Il y a faute. Ah ouais, il y a faute. Ce coup-ci, je me trompe pas. Hein. Avec les coups francs, là, je vais le tirer avec Montolivo. Tu vas voir, ça va bien partir en lucarne. Allez. Oh, dommage. C'est juste au-dessus. Allez, allez. Oh. Oh, il s'est craqué. Oh, il s'est craqué! Oh là là! Ah, par contre, ça arrive pas souvent, ça, en carrière. Hein. Enfin, contre l'ordi. Surtout en légende. Difficulté légende, je vous rappelle. J'ai juste changé la vitesse de jeu. Ça a peut-être perturbé le CPU. En tout cas, Balotelli, lui, se fait pas prier. Et il marque direct. Voilà, 1-0. C'est laborieux, quand même. Hein. C'est très laborieux. Mais c'est dingue. On ne perd pas un match. C'est peut-être quand on maîtrisera plus les matchs qu'on va les perdre. Mais c'est vrai qu'on n'en perd pas un pour l'instant. Mais tant mieux, hein. Non, 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 non. Ah, il est passé, ouais. Il résiste, hein, l'ancien, là. Gilardino. Attention, le corner, juste avant la mi-temps. Ne pas prendre de but, juste avant la mi-temps. C'est bien tiré, pourtant. Oh, peut-être une contre-attaque, même. Non, il la laissera pas. Bon, 1-0. C'est quand même très laborieux, hein. C'est vraiment très brouillon. Par contre, c'est vrai que le mode normal, en vitesse normale, c'est vrai que c'est un peu plus foufou. Ça part d'un but à l'autre, donc il faut être super réactif. Mais sinon, voilà. Par contre, du coup, ouais, voilà, on n'a pas la possession. On n'a pas du tout la possession. C'est ça qu'il va falloir reprendre dans cette seconde période, vu qu'on mène. On peut tranquillement poser le jeu, voilà, se dire que tranquille. Mais c'est vrai que ça change. Hein. Moi, après, je suis pas habitué. Hein. Je suis pas habitué à jouer en vitesse normale. Au tout début du FIFA, j'ai voulu mettre vitesse normale. Enfin, je veux dire, j'ai pas changé les réglages. Et je trouvais ça un peu trop rapide, pas assez réaliste. Et c'est vrai que la vitesse lente, ça me paraissait plus réaliste. Mais bon, là, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On arrive à tenir un peu plus le ballon. Faut juste ne pas se précipiter, rester un petit peu lucide quand même. Et puis normalement ça devrait aller pour cette seconde période. Super retour, hein. Ils font quand même des super retours la défense là. Bah après c'est le timing aussi. Le timing du coup il m'est tout faussé parce que j'ai des habitudes dans un certain timing et là c'est pas du tout le même. Donc parce que des fois j'anticipe de faire des passes. Allez Niang, tu finis. Oh le poteau! Dommage. Allez, allez. Ah, j'ai voulu appeler un autre joueur, il n'a pas voulu. Super, Niang. Allez, on s'impose de la tête, voilà, parfait. Et allez, la contre-attaque. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas un blessé. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai que des. Pff, il m'arrive que des trucs de merde là. Vas-y. Montolivo, il va sortir. On va faire rentrer Mastali, tiens. Il m'avait été séduisant. Et puis Bakka, tiens, il va rentrer à la place de Super Mario.
pour les 25 dernières minutes, mais là, pff, ça m'énerve, encore un blessé. En plus, c'est Deschilio, c'est mon titulaire là. Pff, oh là là. Faisait des bons matchs en plus. Attention, attention le centre. Oh là là, non, cafouillage! Ouais, ça va. Donnarumma, il était là. Allez, le contrôle. Ah, le contrôle de Ménès, ça va. Ça passe. Allez, allez. Voilà, le petit décalage. Et Ménès pour le deuxième. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ce gardien. Super ça. Ah oui, super le bon ballon. Allez, Ménès, tu finis? Oh là 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 là, c'est pas possible. Bon, fin du match. Ça a été laborieux, ça a été tendu. C'est vrai que c'est un peu plus foufou là, c'est un peu plus bizarre là, ce mode en version normale. En plus, j'ai pas vraiment la maîtrise. Vous voyez que j'ai pas la possession. Par contre, les occasions, je les ai. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Ça a été plus compliqué, donc je pense que je vais repasser en mode vitesse lente parce que ça me convenait mieux et puis c'est plus réaliste aussi. Parce que c'est plus posé, c'est plus tranquille. Alors que là, c'est un peu foufou, ça part n'importe comment, ça part ping-pong là. Donc, par contre, la mauvaise nouvelle de la journée, c'est cette blessure. 4 semaines pour Deschilio, Mattia Deschilio. Il a eu quoi? Type de blessure, distorsion. Clavicule? Cavilia? C'est quoi, cavilia? C'est clavicule, non? Je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est blessure, quoi. Ouais. Il va falloir faire attention là pour les 4 semaines suivantes parce qu'on va devoir mettre tout simplement un autre joueur. Donc on va regarder qui on doit mettre. Alors Antonelli, il a le poste apparemment, Antonelli. Ah oui, ES. C'est ça, hein, ES. Et TD, c'est à droite. Et TS, c'est gaucher, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, TS, ouais, voilà, c'était ça. Là, on va mettre Poli. Donc voilà. Voilà. Donc, bon, ça va, on a quand même Antonelli. Antonelli, on va remettre Bacca. On va lui redonner sa chance. Le petit Mastali, lui, il était intéressant, donc on va le titulariser. Et puis, on est parti comme ça. Je vais repasser en vitesse lente. Parce que je pense que c'est plus posé, c'est plus tranquille, c'est plus beau à voir, je pense, que le truc foufou. Donc voilà, vitesse lente, je suis toujours en légende, hein, vous l'avez vu. Voilà, Legenda, le jeu en italien, hein, bien sûr, mais bon, voilà, c'était pour se mettre dans le thème de Milan. Mercredi. Donc c'est parti, contre l'Udinese, on est à l'extérieur. Donc, Hellas Verona qui a encore gagné. Oh là 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 là. Et ils sont on fire, c'est pas possible. La Juve qui a perdu par contre son premier match. Ah ouais. Bah, il va falloir les talonner. Allez, c'est parti contre l'Udinese. C'est parti, let's go avec le maillot rouge, bien sûr. C'est parti. Donc, match contre l'Udinese. Je suis désolé si le son est différent, enfin de ma voix. C'est parce que mon micro, si vous voulez, enfin, c'est mon portable hein, que j'enregistre. J'enregistre, ça veut rien dire. Si vous voulez, il est en charge parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc voilà, je suis obligé de le mettre à charge. Et vu que la charge est courte, et bah, du coup, vu que le fil il est court, et bah, du coup, vous m'entendez un peu moins. Bref, c'est parti pour ce dernier match. Let's go, en espérant s'imposer. Ce dernier match. Pas forcément ce dernier match. On verra bien combien on aura fait de matchs. Je crois que c'est le troisième. Donc non, non, c'est pas forcément le dernier. Et c'est parti, let's go pour les meilleurs moments. Attention, ce long ballon là vers Nilsson là. Attention! Oh là là, l'ouverture du score. À chaque fois, on se fait prendre de la tête. C'est pas possible ça. On se fait toujours prendre de la tête. Ouais, ça fait 1-0. Il va falloir tout de suite réagir là. Surtout ne pas avoir de défaite. Zapata, ouais. Je veux vraiment pas avoir de défaite pour l'instant. On est les seuls avec. Enfin, il y a 3-4 équipes qui n'ont pas perdu. Voilà. Bakia, ouais, mais j'attends la solution. Eh ben, va venir peut-être la solution ici, avec Montolivo! Oh, côté, dommage. Allez, allez. Allez, allez. Elle était contrée, elle était contrée. D'accord. Allez, on réagit là, on est bien. Astali. Vers Bakia. Allez, Bakia. Il va tenter sa chance, Bakia. Oui, bien joué, Bakia. Voilà, ça y est, il revient en puissance, notre petit Bakia. Bien joué.
Un partout, on égalise. Allez. Ah oh oui. Il y a un bon ballon à donner. Allez, on attend le bon départ. Super. Allez, Menez. Oh, le retour. Quel retour il y a eu. Parce que là, c'était but, sinon. Attention. Oh, attention, il est passé. Il a fait la feinte. Ouais, ah ouais. Bien joué là. Franchement, il est allé tout seul. Je sais pas comment il s'appelle, mais regardez-moi ça, ce bon petit mouvement là. J'avais anticipé, je voulais pas trop me livrer. Et il a super bien joué derrière la frappe pleine lucarne. Il n'y a rien à dire. On est à nouveau mené, mené, pardon. Donc mené, on est à nouveau mené. Bah mené, ouais. Et il va falloir vraiment réagir. Oh là là, la passe! Ah, mi-temps. C'est décevant là, c'est encore brouillon, hein. C'est encore une fois brouillon, on n'est pas très bon encore. Mais voilà, eux ils ont été réalistes aussi, hein. Mais ça m'énerve parce que on est toujours autant en difficulté dans cette carrière. Et je comprends pas trop pourquoi. Alors peut-être que c'est la formation, peut-être que c'est l'équipe, j'en sais rien, mais j'ai pas non plus baissé de niveau, donc voilà, après j'ai du mal à trouver mes joueurs. On a du mal à garder le ballon aussi. Donc après, peut-être que c'est une équipe qui me correspond peut-être un peu moins au niveau du foot. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. Ah oui, là, il y a un bon ballon. Là, il y a un très bon ballon à donner. Allez, arrache-toi. Arrache-toi, non! Mais c'est pas possible aussi. Il y a les poteaux aussi. Et oui, il y avait ça aussi. Là, c'est pas possible. Regardez, on peut pas galérer comme ça. Eh ouais, mais c'est pas possible. Normalement, le joueur, il doit le prendre là. Le défenseur, il doit récupérer la balle. Ça doit pas créer un décalage. C'est à ce moment-là. Là, au lieu d'aller sur le joueur, il s'écarte. Il y a eu une sorte d'aimant. Vous savez, les aimants qui s'évitent là. Eh ben, il y a eu un phénomène comme ça là. Putain, vous allez dire que je rage, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand le jeu décide que tu perds, c'est. Waouh! C'est puissant quand même. Allez, voilà, on revient. Allez, c'est pas fini. Ah ouais, c'est à côté, bah ouais. Allez, allez. Faut finir là. Mais non! Mais faut arrêter avec ces poteaux! Mais j'en ai marre de ces poteaux! C'est quoi ça? What? What the fuck? Oh là là là, c'est pas fini, allez, allez. Surtout, pas d'appel, hein. Surtout, ne venez pas au ballon. Surtout, voilà, évitez-moi. Voilà, surtout les duels. Allez, mets le quatrième, comme ça, on en finira. Ah bah, c'est la dernière alors. C'est la dernière. Allez, allez. La dernière, elle est là. Mais non! Mais c'est pas possible ce jeu! Mais c'est pas possible! Non! Mais non, j'y crois pas. J'ai fait combien? J'ai fait 4 poteaux dans le match ou quoi? Non, 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 non. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, je fais 2 poteaux en 2 minutes, c'est pas. C'est quoi? C'est pas l'eau que ça s'appelle? Non. C'est pas possible ça. Pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Putain, non, on doit pas le perdre ce match. On doit vraiment pas le perdre. Et la Juve s'impose, l'Inter aussi, voilà. On avait l'occasion de passer devant Hellas Verona qui avait perdu. Et là non, on va être du coup quatrième. Oh là 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 là. Bon, ça va, c'est pas non plus c'est pas la fin du monde, mais bon putain, quand même, on a fait 4 poteaux dans le match, c'est bon quoi. Et on aura fait quand même beaucoup de poteaux hein, dans cette vidéo. Ah, ils sont violents des fois. Hein. La malédiction, des fois, elle blague pas. Hein. Putain. Quand ils sont en forme là, comme ça là. Mais c'est vrai que j'en faisais pas beaucoup en ce moment. Hein. C'est peut-être ça. Hein. J'en faisais pas beaucoup alors là. Putain, ils m'ont pas loupé. Hein. Bon allez, dernier match. En espérant s'imposer parce que là, il faut vraiment renouer avec le succès. Je vais me mettre directement en 4-4-2, parce que là, ça va pas du tout. On va se mettre directement. Voilà. Boum. Tac. Compo comme ça. Voilà. Normalement.
Quand rien ne va, il faut jouer comme ça. Quand il n'y a plus rien qui va dans le club, dans le truc et tout. Quand t'arrives pas, quand t'as du mal à construire, tu joues comme ça. Tu joues avec cette compo là, et je peux vous dire, elle va être efficace. C'est parti. Bon, les derniers matchs de l'épisode, à l'extérieur contre le Genoa. Là, il faut impérativement s'imposer après notre déconvenue à l'extérieur du côté de l'Udinese. Donc là, vraiment, revenir. Et ça passe par une victoire contre le Genoa. C'est parti pour les meilleurs moments, en espérant là, Genoa 5-0. Allez, bon ballon vers Vaca. Allez, 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 tout de suite. D'entrée. D'entrée. On a dit d'entrée. Allez, voilà, l'ouverture du score. Putain, j'ai eu peur, hein, parce que j'ai pas voulu trop vite me réjouir, parce que la balle, elle a rasé le poteau, là. Super appel, limite du hors-jeu, et Menez qui conclut, ouais. C'est vraiment juste. Allez, ça fait un 0, j'ai dit 5. Allez, allez, go, 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 on enchaîne. Allez! Oh là là, l'arrêt de P1, quel arrêt. Ça m'énerve, parce qu'avec le Milan, il y a des situations où je sais pas quoi faire. À 20 mètres, à 30 mètres, j'arrive, il n'y a aucune solution. Là, par contre, il y a eu des solutions. Là, ça a décalé. Bon, j'ai pas super bien décalé, ce qui a fait que du coup, Mbanyang n'était pas si seul que ça. Il y avait 2-3 défenseurs devant lui, mais vous voyez que ça a décalé. Alors que sinon, il y a des situations où je sais pas quoi faire. Sur le sang. Ouh là là, ce réflexe de Donnarumma. Heureusement. Ah ouais, meilleur jeu, en plus il est trop fort, voilà. Tout est à zéro là, on fait n'importe quoi dans cette première période. Il y a juste eu une action où on a réussi à trouver le décalage, enfin j'ai réussi à anticiper ce qu'allait faire mon attaquant, mais sinon, ah là, il y a peut-être une situation, là il y en a peut-être une. Ah mais Bakka, c'est quoi ces contrôles aussi? Ah Bakka, c'est le grand flop de la saison pour l'instant. Pourtant... je l'aimais bien sur FIFA 15, mais là il me fait n'importe quoi. Allez. Ouais, c'est ça. Bon, mi-temps, c'est très laborieux, encore une fois. Je vais pas me répéter, mais voilà, on fait pas des grands matchs. Franchement, on n'a pas trop la maîtrise, même si bon, ils ont pas fait grand-chose. Bakka, c'est plus possible. On va mettre Balotelli dans l'axe. Et voilà, on va essayer de voir ce que ça donne, parce que là, ça va pas. Donc voilà, on va voir ce que ça donne pour cette seconde période. C'est parti. Allez, là, ça va décaler. Allez, fais ton décalage. Voilà. Allez, Boateng. Oh là là, l'arrêt de Perrin. Il a arrêté de quoi? De la tête? Allez, allez. Ça, c'est bien tiré. Le poteau. Allez, c'est pas possible. J'en ai marre. Là, il m'en a fait un bon. Voilà, là, il m'a fait un bel appel. Là, j'ai rien dit. Là, c'était bien. C'était bien joué, mais sinon, j'ai du mal à en trouver. Allez, allez, Niang. Oh, elle est contrée. Oh, dommage. Oh, pourquoi pas. Là, 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 là. Et Perrin aussi, il fait un gros match aussi, hein, le gardien. Non, j'ai voulu jouer à deux. Pourquoi il n'est pas venu? Vous avez vu, il est venu, après il est reparti. Il m'a foutu un vent, quoi. Allez, là. Là, il y a une contre-attaque. Là, il faut pas faire le con. Il faut pas faire n'importe quoi. Il te fait un appel, ouais, mais... Il te le fait pas assez bien, son appel. Là, il l'a bien fait, voilà. Là, il n'y a pas de souci. Bah oui, bien joué, Niang. Bien joué! Bien joué, Mbanyang! Magnifique! 2-0, voilà! Ça fait plaisir! La dernière occasion du match, elle est partie. Non! Mais laisse-moi l'occasion! Non! Ah, c'est frustrant quand même ce jeu! Et on fait 13 tirs quand même, 10 cadrés, d'accord, ça aura pas été le 5-0, mais bon, on a eu les occasions du 5-0 quand même. C'est... Voilà. Voilà. Il n'y aura pas eu 5-0, mais il y aurait eu les occasions du 5-0. On peut pas tout avoir dans la vie, voilà. J'ai essayé de faire mon mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Vraiment, c'est brouillon. Il n'y a pas encore beaucoup de maîtrise. Là, bon, ça va, il y avait une grosse domination, mais il n'y a pas une super maîtrise. On est quand même leader, mais je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait, honnêtement, pour être leader.
L'Inter, c'est les seuls invaincus de ce calcio, de cette Serie A. Mais bon, on prend, hein, on prend la première place, hein, il n'y a pas de souci. Avec Hellas Verona, ça se joue à rien. Et puis Udinese, Udinese, finalement, hein, faut pas les sous-estimer. Hein, très très bon club, Udinese. Hein. On a perdu, mais bon. Mais bon, on leur a mis quand même 4 poteaux quand même. Bon, bref. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, on aura Naples. Ça sera pas si simple à jouer. Je ne sais pas combien ils sont classés, mais en tout cas, ça sera un match très compliqué. Hélas, Verona qui a fait un match nul. D'accord, donc il faudra s'imposer pour essayer de garder notre place. Ah, ça y est, Deschilio, ça y est, il est rétabli. Donc ça fait plaise. D'accord, ok, ça on s'en fout. Ok. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes prochaines vidéos et actualités sur la chaîne. Sur ce, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo avec au programme peut-être la carrière manager avec le Milan. Donc peut-être 4 matchs à nouveau pour finir ce mois d'octobre. Il n'y a pas de coupe, les coupes elles sont où? Il n'y a pas. Ça vient quand? Ah, ça vient ici, d'accord. C'est contre Cesena, d'accord. Ça sera in dicembre 2005. Merde. Je déconne, pas 2005, ouais. Ah, 2015, voilà. Donc voilà, j'ai un peu galéré. Vous inquiétez pas, l'italien, ça ira mieux. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé. Avant, je parlais vraiment couramment italien. Enfin, couramment. Je parlais bien italien. Là, j'avoue que je galère à trouver mes mots, mais vous inquiétez pas, ça viendra pour ce prochain épisode. Salut à tous!